Bonjour. Bonjour. Monsieur Matula ? Oui. Je m'appelle Bremser. Dieter Bremser, j'ai une affaire à vous proposer. Si vous avez une minute à me consacrer, je n'en ai pas pour très longtemps. Oh, je vous en prie, entrez. Alors, vous avez un problème ? Oui, j'aimerais d'abord savoir combien vous prenez pour une simple filature. 400 marks par jour, plus les frais. 400 marques, vous n'êtes pas donné. La qualité, ça se paie. Oui, c'est ce que je dis toujours. Excusez-moi. Alors, qui, pourquoi, combien de temps? Il s'agit de l'un de mes proches collaborateurs, Bruno Lavassani, un ancien placier. C'est devenu mon premier assistant. C'est lui qui conclut les affaires à ma place quand je suis trop occupé, mais je commence à avoir des doutes sur lui. Sans rentrer dans les détails, je lui ai demandé de contacter des agents immobiliers la semaine prochaine. On manque un peu de place là où on est en ce moment, et je pense qu'on devrait s'agrandir. Mais à des conditions raisonnables. Et vous voulez que je surveille s'il ne prend pas une petite commission au passage? Exactement. Venez par là vous asseoir, on sera plus à l'aise pour discuter. Je vous engage pour la semaine et vous me donnerez vos conclusions vendredi. Rapport classique, avec photo? Pas la peine, je vous fais confiance. Alors, dans quelle branche est-ce que vous travaillez? Dans l'import-export. Ça marche dans l'import-export? Oui, on n'a pas à se plaindre. Eh bien, tant mieux. Ah, oui. $2,000, c'est bien ce qu'on a dit. 5 jours entiers. Je vous marquerai les frais en plus. Merde. Et ce Lavassani, comment je vais le reconnaître? Vous n'auriez pas une photo à me passer? Ce ne sera pas nécessaire. On doit déjeuner demain midi au Café du Dôme. On sera sûrement en terrasse. D'accord, je le prends en filature. Si vous le perdez, c'est notre point de ralliement. On se fait un petit briefing là-bas tous les jours. Ne le surveillez qu'à partir du moment où il part, parce que s'il vous voit là-bas trop souvent, il pourrait se douter de quelque chose. À quelle heure est-ce que je peux venir? À 1 heure. Et bien sûr, vous ne m'avez jamais vu. Ben voyons, pas de facture. Merci. Je vous en prie. Au revoir, monsieur Matula. Je vous passe un coup de téléphone la semaine prochaine. D'accord, c'est vous qui m'appelez. En attendant, je m'occupe de tout. Bonne journée. Thank you.
installation, ça me paraît formidable. Ils ont rénové tout le bâtiment. Je vais te montrer ça. 5 cm carrés au premier. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie, aucun mal. Y a quelqu'un? Vient de nous faire parvenir un avis de recherche. Il y a quelques instants, un homme a été retrouvé mort sur un chantier de Francfort, tué de 2 balles en pleine tête, tiré à bout portant. L'assassin présumé, un homme blond d'une 40aine d'années, qui mesure environ 1m75, porte un jean, des bottes et un blouson en cuir noir,
a été aperçu au moment où il regagnait sa voiture, une limousine gris métallisée immatriculée à Francfort. Malgré l'intervention rapide de la police, l'homme a réussi à prendre la fuite. Pour tout renseignement le concernant, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils sont fous, quoi ? Le plus proche. Convenir d'un arrangement, je vous propose donc... Lavassani a été assassiné. Je vais d'abord prendre un remontant. Lavassani ? Qui est Lavassani ? Je t'en ai parlé, c'est le type que j'ai suivi toute la semaine. Sous mes yeux, ils l'ont dégommé dans un chantier, juste devant moi en plus. Et qui a fait ça ? Et j'en sais rien, le type s'est cassé, il était en moto, alors j'ai bien essayé de le suivre, mais tu parles qu'il m'a semé avec son engin, et je suis recherché par la police, il croit que c'est moi le meurtrier. Mais comment tu le sais ? Un avis de recherche est passé à la radio moins d'un quart d'heure après l'agression. Il était tellement précis que j'ai cru qu'ils avaient une photo de moi devant les yeux. Ah, ça, il a rien laissé au hasard, celui qui veut me faire tomber. Il a drôlement bien monté son coup, crois-moi. Qui ça peut être ? Je sais pas, mais je te promets qu'il va pas s'en tirer comme ça. Tant que je l'aurai pas retrouvé, je lâcherai pas. Je te conseille de commencer par aller tout raconter à la police. D'accord, mais pas seul. Monsieur Matula, c'est très intéressant. Seulement, ça ne nous avance pas beaucoup. Pourquoi ? Vous avez l'identité de votre victime ? Oui, un Libanais. Il avait son passeport. Comme c'est gentil à lui. Et maintenant, avec ça, vous pourrez retrouver le meurtrier. Avec beaucoup de chance, oui, je n'en doute pas. Pour l'instant, nous sommes à la recherche d'une moto de cross. Pas d'immatriculation. Marque inconnue. Couleur... probablement rouge et noir, ou noir et rouge. Et concernant le suspect, pas de signalement. Mais on sait qu'il conduit la moto en question. Est-ce que vous seriez en train de lui reprocher son témoignage ? Non. Je regrette seulement que vous n'ayez pas rattrapé votre motard. Et ça ne vous étonne pas qu'on ait donné une description aussi précise de mon client moins d'un quart d'heure après le meurtre ? Quelle chance de tomber sur un témoin aussi observateur. Je vous dis qu'on essaie de me faire porter le chapeau pour ce meurtre. Celui qui vous a prévenu est certainement de mèche avec le type à la moto. Non, ça m'étonnerait fort. C'est l'un des ouvriers du chantier qui se trouvait là par hasard. Il a entendu des coups de feu, puis il vous a vu courir vers votre voiture. Il est descendu, il a vu le cadavre. Il nous a appelés tout de suite. La police est arrivée. Et 2 minutes plus tard, ils ont lancé l'avis de recherche qui est passé à la radio. Et la moto, rien. Il n'a pas vu le gars en train de s'enfuir. Non. Et vous trouvez ça tout à fait logique ? Vous devriez convoquer M. Bremser, il peut nous éclairer. C'est lui qui a engagé M. Matula. Je vais le faire, j'y ai pensé. J'ai son adresse maintenant. Mais encore faut-il qu'elle soit bonne. Non, vous croyez que j'accepte une mission sans vérifier l'identité de mon client ? Son adresse est bonne, le téléphone est bon. Le fax ? Oui, aussi. Qu'est-ce que vous voulez, en fin de compte ? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Non, ce n'est pas la question. Je fais seulement mon travail correctement. Si vous voulez bien me signer votre déposition. Vous avez un stylo ? Bien sûr. Je vais commencer par rendre visite à des amis dans le voisinage. Je supporte pas que l'un de mes clients se fasse descendre pendant que je le surveille. Non seulement je passe pour un imbécile, mais en plus c'est mauvais pour mon image. Et l'autre qui me met des bâtons dans les roues. C'est sympa de sa part de t'avoir laissé sortir. Pourquoi ? Il n'a pas le droit de m'arrêter. Il en a tout à fait le droit. Il aurait pu te mettre en garde à vue. Oh, tu parles. Alors, Madame Lavassani, c'est bien votre mari ? Oui. Venez, madame. Je sais que le moment est mal choisi, mais je dois encore vous poser quelques questions. Vous voulez bien essayer d'y répondre ? Allez-y. Depuis combien de temps votre mari travaillait pour Dieter Bremser ? Pour qui ? Bremser. Dieter Bremser. Mon mari ne travaillait pour personne puisqu'il était indépendant. Je ne sais pas, alors ce Dieter était peut-être un associé ? Non, je connaissais tous ses associés et il ne m'a jamais parlé
de ce Dieter Bremser, je ne vois pas du tout qui c'est. Et puis, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Parce que Dieter Bremser a engagé un détective pour surveiller votre mari et je me demandais si vous étiez au courant. Maintenant que j'y pense, il m'a parlé d'un drôle de type qui n'arrêtait pas de le suivre. Je crois qu'il est blond et il porte une veste en cuir. C'est lui le meurtrier. Il a tué mon mari, n'est-ce pas, commissaire? Ce n'est pas encore prouvé. Mais il était bien sur le chantier. Voulez-vous que je vous raccompagne? Oui. Ah là là, mon pauvre Joseph, dans quel guépier tu t'es encore fourré? Puis qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Tout. Le professeur est là. Il veut la numéro 22. Toujours aussi ponctuel qu'une horloge suisse. Deux bouteilles de champagne minimum, c'est bien clair? Oui. Tu m'en demandes si t'as besoin. Compris. Là, chez nous, on reste couvert. Lavassani. Bruno Lavassani. Le genre de type à éviter si tu veux rester en vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu particulièrement impopulaire auprès de gens qu'il faut pas. Le professeur dit qu'il ne veut pas en mettre. Tu lui réponds que c'est ça ou rien. Si monsieur n'est pas content, tu le fous à la porte. Il fait la même comédie chaque fois qu'il vient. Si j'ai bien compris, Lavassani n'avait pas que des amis dans le métier. Oleg Bako, ça te dit quelque chose? Je connais ce nom-là. Je vois pas tellement le rapport entre les deux. Ah ben, il y en a plus. C'est bien ça le problème. Ton Lavassani roulait pour Bako jusqu'à il y a un an. Bako? Mais je croyais qu'il était chez Bremser, Dieter Bremser. Bremser? On connaît pas. Bako et Lavassani. Et c'est là que ça se gâte. Quand Lavassani en a eu marre de bosser pour un patron, alors il a décidé de se mettre à son compte. Ils se sont retrouvés à se tirer dans les pattes et se piquer les mêmes clients. Et dans ce genre de cas, il y en a toujours un qui est de trop. Et tu sais ce qu'il faisait comme affaire? Du trafic, mais je sais pas trop quoi. Demande à Caroline s'il pourra te rencarder. Désolé, c'est tout ce que je sais. Bako faisait surtout du commerce avec le Proche-Orient. Et Lavassani a été chargé de lui trouver des contacts au Liban. C'est devenu une mine d'or pour les trafiquants là-bas. On se refourgue n'importe quoi. Et maintenant, le gouvernement a un nouveau problème. Et tu sais ce que c'est? Les armes? Non, la piraterie. Tu trouves un bateau en charge, tu le détournes vers le Liban et tu revends sa cargaison. Parfois même directement à son propriétaire. Alors Bako et Lavassani géraient tranquillement leurs petites affaires d'ici. Oui, tout le monde le sait, mais malheureusement, personne n'a jamais pu le prouver. Je suppose qu'il a eu des histoires pour que Lavassani laisse tomber Bako. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se ranger ou il a continué à magouiller dans le milieu? Lavassani n'est pas vraiment parti de son plein gré. C'est Bako qui l'a fait mettre à la porte. Le jour où il a découvert que Lavassani piochait dans la caisse depuis 2 ans et qu'il gonflait les prix des clients, il percevait sa commission en amont et en aval. Donc il l'a viré, mais comme Lavassani avait déjà les contacts, il a décidé de doubler Bako. Et il a monté plusieurs entreprises. Une qui s'occupait d'importer des voitures, par exemple. Une autre qui faisait les expéditions. Une autre pour le transport et le convoyage des marchandises. Plus une autre qui finance le tout et la boucle est bouclée. Qu'est-ce que tu penses de Bako, toi? Tu le crois capable d'engager un tueur pour le débarrasser de Lavassani? C'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. En tout cas, on peut classer définitivement le dossier Lavassani. Les bananes se récoltent encore vertes. Vous venez de la part de Karl-Heinz? Il dit que c'est à vous qu'il faut s'adresser quand on veut des informations sur quelqu'un du milieu. Ah, c'était vrai. Dans le temps. Je vous écoute. Il paraît que Lavassani et Bako se sont séparés en mauvais termes. Très mauvais. On ne double pas les amis. Vous connaissez Freddy? Freddy Meckel? C'est ça. Oui, Freddy le couteau. C'est un tueur, mais je vois pas ce qu'il y a de comique. Pourtant, c'est une histoire qui nous a bien fait rire. Il y a peut-être 2 semaines, Bako est allé voir Freddy. Avec une petite mallette contenant 100 000 marks pour la tête de Lavassani. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Non, quoi? Je ne travaille pas pour n'importe qui, il a dit. Bako voulait éliminer Lavassani, si j'ai bien compris. Oui, et aujourd'hui, il y en a un qui a touché le gros lot. Il a été abattu ce matin sur un chantier de construction. Merci, je suis déjà au courant.
Et le type de l'agence immobilière qui avait rendez-vous avec Lavassani, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, qu'il l'avait eu au téléphone à propos du bâtiment, c'est tout. Allez, regarde. Ça, c'est une voiture de police. Ils sont peut-être déjà dans ton bureau. Tu crois pas que t'es en train de nous faire une crise de parano? Vous en voulez un? Combien de temps on va les attendre? J'ai pas que ça à faire de la journée, moi. Mais ce chien qui n'arrête pas de me regarder, ça m'énerve, j'ai l'impression qu'il veut me mordre. Il défend son territoire. C'est original. Ça va du clair vers l'obscur. Bonjour, Elga. Bonjour. Bonjour. Alors, Mba. On a des visiteurs? Vous vouliez me voir, messieurs? Non, c'est votre ami. C'est Joseph Matuda. Ah. Première fois que je le vois. Je ne connais pas de Lavassani. Je ne sais pas quoi vous dire. Qui est-ce, monsieur? C'est l'homme qui vous a engagé, Dieter Bremser. Non, c'est pas lui. Ah, ah? Ah, ou j'ai mauvaise mémoire, ou vous vous êtes trompé de personne. C'est bien votre carte de visite, n'est-ce pas? Oui. Et vous ne vous êtes jamais vus tous les deux? Non. Ça fait deux fois que je vous le dis. Bon, si vous voulez bien m'excuser, j'ai énormément de travail qui m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Mais ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Eh bien, la personne qui a loué les services de mon client s'est présentée sous un faux nom en gardant une identité existant déjà pour ne pas éveiller les soupçons. Et j'ai pas vu le coup venir. Eh, il suffit de trouver le faux Bremser et c'est bon, on a le meurtrier du bonhomme. C'est une possibilité, mais il y en a une autre. Le faux Bremser n'avait jamais existé, mon chapeau. Je suis vraiment désolé. Alors, au cas où ça vous intéresserait, commissaire, on vient d'apprendre une nouvelle très intéressante. Quelqu'un a lancé un contrat sur Lavassani. Son ancien associé, Bako. J'ai déjà entendu parler de cette histoire. Des rumeurs. Et vous, vous êtes au courant? Je peux savoir comment vous l'avez appris? Des rumeurs. Ah. Alors ça va sûrement vous intéresser de savoir que la balistique a identifié l'arme grâce aux douilles près du corps. Il s'agirait d'un 7,65 automatique Walther PPK ou Beretta. Et comme vous savez que bien évidemment moi aussi j'ai une arme, vous allez me demander ce que c'est. Vous possédez un Walther PPK, ainsi que l'autorisation de port d'armes qui va avec. Vous voulez le voir? Comment, il est là? Non, il est chez moi dans un coffre, en sécurité. Mais pas pour tout le monde. Dieter Bremser, je veux dire le faux Bremser. 10 minutes avant le meurtre, je l'ai vu partir en voiture. Une corvette cabriolet rose pâle, ça court pas les rues, c'est facile à repérer. Pas de numéro d'immatriculation. Si vous mettez en doute tout ce que je dis, c'est plus la peine. Écoutez, Matula, vous connaissez les ficelles du crime aussi bien que moi. Alors si vous l'aviez tué, vous auriez préparé une histoire un petit peu plus plausible que ça. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Vous de même. Au revoir, commissaire. Ah, au fait. Encore une chose que j'ai oublié de vous dire. Le procureur n'est pas tout à fait d'accord avec cette théorie. Et tout à l'heure, il a failli lancer un mandat d'arrêt contre vous. Et pourquoi il n'a pas lancé ce mandat? Parce que le juge d'instruction ne l'a pas voulu. Il estime que les preuves sont insuffisantes. Tiens donc. Pour l'instant. Vous conviendrez que 100 000 marks, c'est une somme plutôt conséquente, monsieur Matula. Surtout quand on a des problèmes pécuniaires. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non, absolument rien. Seulement, j'ai entendu dire que vous aviez des petites difficultés. D'où tenez-vous ça? Des rumeurs. Cette fois, je vous laisse, monsieur. Vous pouvez remettre votre classeur à l'endroit maintenant. Tu ne m'as pas dit que tu avais besoin d'argent? Ah, il fallait me demander. Tu veux que je t'en prête? Rainer, t'es mon ami, pas ma banque. Merci. Messieurs, bonjour. 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 C'est par là? Oui, commissaire. Derrière le troisième pilier.
Et le type qui a appelé, bonjour. Bonjour. Le type qui a appelé, qu'est-ce qu'il a dit au juste? Qu'un petit blond avec un blouson en cuir a acheté quelque chose là-dedans et puis il est parti en courant. C'était juste après les coups de feu. Et il a raccroché après. Vous avez pensé à prévenir l'identité judiciaire? Évidemment. Parfait. Je vous remercie pour tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Messieurs, au revoir. Au revoir. Bien sûr que je suis prudent. En tout cas, merci du tuyau. Oui. Bah, tu l'as ? Passez-le-moi. Oui, monsieur Matula ? Ah oui ? Tiens donc, qu'est-ce que vous voulez me montrer ? Non, ça ne me dérange pas. J'avais l'intention de passer chez vous, justement. Oui ? Très bien, j'arrive. Alors, cette surprise. Eh ben, c'est ça. Un coffre vide, tout à fait fascinant. C'est là-dedans que je range mon pistolet. Ce coffre était fermé à clé. Quand je l'ai ouvert tout à l'heure, mon pistolet avait disparu. On me l'a volé. Quelqu'un est venu chez moi en mon absence. Pourtant, la serrure n'a pas l'air d'avoir été forcée. Ça, c'est ma clé, et je l'ai sur moi en permanence. Vous ne comprenez pas que ça faisait partie de leur plan? Je suis sûr qu'on a tué Lavassani avec mon arme. Pas la peine d'analyser les balles. En ce qui concerne Lavassani, vous avez raison. Quoi? C'est bien votre pistolet qu'on a trouvé ce matin sur le chantier. C'est vraiment pas de chance. Au milieu du chantier? Oui. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'aurais tué avec mon propre pistolet alors qu'il est couvert d'empreintes digitales et en plus je l'aurais laissé au beau milieu du chantier pour être sûr que vous tombiez dessus? Non mais vous me prenez pour un idiot! Bien sûr que non. La table n'est pas droite. Pourquoi vous recherchez pas du côté du faux Bremser? C'est lui qui a organisé toute cette histoire de fou. Ça ne tient tellement pas debout que le procureur se demande si c'est pas fait exprès. Ça ou alors, vous avez paniqué juste après l'avoir tué? La peur que quelqu'un vous remarque, que la police arrive. Vous auriez pu être arrêté et il vaut mieux se débarrasser des pièces compromettantes. Heureusement qu'on a reçu cet appel anonyme, sinon il scellait votre arme dans le béton aujourd'hui. Quoi? Oui. Vous connaissez la procédure. Non, vous rigolez ou quoi? Non, c'est un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Vous devriez prendre quelques vêtements de rechange. Le procureur est persuadé que vous êtes coupable. Je comprends. Il faut dire que toutes les preuves se retournent contre vous. Ça aurait pu marcher, d'ailleurs. C'est tellement aberrant qu'on se dit qu'un pro dans votre genre ne s'y prendrait jamais de cette manière. Le procureur dit que c'est une ruse. Il reste la question du mobile. Mais vous ne connaissiez même pas Lavassani. Alors, qu'est-ce qui aurait bien pu pousser M. Matula à tuer quelqu'un? C'est vrai que 100 000 marques, c'est tentant. C'est un petit détail qu'il reste encore à prouver, mais en attendant, il a convaincu le juge. Vous devriez prendre de la lecture pour là-bas. Quand on est enfermé, on passe le temps comme on peut. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Je ne savais pas qu'ils avaient sorti un nouvel album dans cette collection. Pourtant, je les ai pratiquement tous lus. Eh ben, ça tombe bien. Matula, arrêtez! Revenez!
Non mais t'es malade, t'as complètement perdu la tête. Mais arrête de t'énerver, ça va, je lui ai rien fait, je l'ai seulement enfermé. Ah bravo, ça c'est malin. Mais c'est pas vrai, tu crois que tu n'as pas suffisamment de problèmes avec la police? Parce que c'est de ma faute si j'ai des problèmes? Je me retrouve accusé de meurtre, j'ai rien fait et personne va me croire. Et si je me laisse arrêter par les flics, comment tu veux que je leur prouve que je suis innocent? Mais tu ne comprendras pas que s'ils avaient le moindre doute avant, maintenant ils sont sûrs que t'es coupable. Ils veulent me foutre en cabane de toute manière. Je suis désolé. Bon, j'ai besoin de toi, il faut que je retrouve ce type. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais commencer par me chercher une planque. Alors là, compte pas sur moi, les flics vont venir ici. Je pourrais l'héberger chez moi. Non, je ne veux pas que vous soyez mêlés à cette histoire. Oh, mais c'est trop tard, il ne fallait pas en parler devant moi. Elle est complice. Faites ce que vous voulez, mais moi je m'en lave les mains. Ce n'est pas loyal de votre part, monsieur Matula. Si j'avais su ce qu'il y avait dans cette valise, je ne vous l'aurais jamais apporté. Je me suis débarrassé du commissaire pour avoir le champ libre, alors autant que j'en profite pour faire avancer un peu cette enquête. Maître Franck va se mettre en colère si je lui dis que je vous ai laissé sortir. Peut-être, mais c'est pas lui qui est recherché pour meurtre. En plus, on vient de me donner un tuyau pour la corvette que je recherche. C'est trop risqué. Des nouvelles de Rainer? Il est parti interroger la veuve de Lavassani, au cas où son mari lui aurait parlé de ce faux Bremser. Bonne idée. J'ai le sentiment qu'ils se connaissaient très bien, tous les deux. De quoi j'ai l'air? Vous avez l'air d'un détective déguisé. Mon mari n'était pas un escroc, il n'a jamais rien fait d'illégal. Pourtant, il a travaillé pour Alec Bacco à une époque. Bacco est un trafiquant. Donc vous étiez au courant? Et dès que Bruno l'a su, il a démissionné. Il ne pouvait pas supporter ce genre d'affaires, c'était contre tous ses principes. N'inversons pas les rôles, c'est Bacco qui a mis votre mari à la porte. Mais il ne l'a jamais mis à la porte. C'est Bruno qui est parti, ça s'est très mal passé si vous voulez tout savoir. D'ailleurs, ça s'est tellement mal passé qu'il l'a fait tuer. Il a payé un meurtrier pour descendre mon mari comme un chien. Madame Lavassani, si je vous pose toutes ces questions, c'est pour savoir la vérité. Mais c'est ça la vérité. Mon mari est mort. Mort, vous entendez? L'homme que j'aimais s'est fait tuer par votre client et vous le défendez! Vous savez bien que c'est un mensonge. Justement, j'essaie de prouver qu'il est victime d'une machination. C'est votre client qui a tué mon mari. C'est lui le tueur à gages que Bacco a envoyé. C'est lui le meurtrier. Et ne venez pas me demander de vous aider. Allez-vous-en! Vous n'avez donc aucune décence pour faire une chose pareille! Je suis désolé. Tu l'as joué à la perfection. C'était bien ce que tu voulais. J'ai cru qu'il allait pleurer. Ah non, je vous garantis qu'il n'y en a pas, là. Pourtant, j'en ai vu une, un petit cabriolet rose pâle. Écoutez, d'après ce que vous me décrivez, à mon avis, c'est un modèle qui date de 72-73 à tout casser. Et déjà, cette année-là, il n'y a pas moyen de mettre la main dessus. Alors vous pensez, s'il y en avait une rose dans la région, je serais déjà au courant et je l'aurais sûrement acheté. Attendez un peu, je sais où il y en a une, moi, mais à mon avis, elle est chaude. Ça veut dire quoi, elle est chaude? Pas très légale, si vous voyez ce que je veux dire. Ben oui, elle peut pas passer au contrôle. Faut pas vous étonner si elle vous lâche, c'est le genre de bagnole rafistolée, la carrosserie est parfaite, mais dedans c'est pourri. Et où est-ce qu'elle est? Devant la petite église qui est place du marché. Je vous remercie. De rien. Au revoir. Au revoir. Une voiture comme ça, à ce prix-là, autant dire que c'est un miracle.
Vous avez l'intérieur d'origine, nickel. Le moteur est tout neuf. Je viens de changer les freins et la boîte de vitesse et elle sort de chez le carrossier. Il n'y a pas un poil de rouille sur le châssis. Elle vient de Los Angeles et il pleut jamais en Californie. Ah, il l'a bien bichonné, l'ancien proprio. Et le moteur en ronronne comme un chat. Elle monte à 260 sans aucun problème. Mais ça fait combien de temps qu'elle a pas roulé, cette bagnole? Oh, 2 jours. Je le sais, parce que le patron l'a prise la semaine dernière. Il me semble que j'ai dû le croiser. Un grand brin dans les 35 ans. Oui, c'est bien lui. Il y a toutes les options en prime. On vous fait cadeau d'autoradio. Ailleurs, vous l'auriez payé une fortune. Mais pas chez nous. Et en plus, on vous la garantit pendant 6 mois. Et dites, j'y pense, votre chef, son visage ne m'est pas inconnu. Il ressemble à un vieux copain qui habitait juste en face de chez moi. Comment il s'appelait déjà? Klaus, c'est ça, Klaus. Non, c'est pas lui. Il s'appelle Thomas, Thomas Krause. Qu'est-ce qu'on fait? Une petite promenade, ça vous dit? Je vais prendre les clés au magasin. Ah, malheureusement, je vais pas avoir le temps maintenant, mais je peux revenir vers 5 heures si vous êtes là. Oui, pas de problème. Alors, à ce soir. D'accord, bonne journée. Ah, juste une chose, monsieur. Je préfère vous prévenir, on ferme à 6h30. D'accord. Joseph ? Rainer, mais je t'avais pas reconnu. Tu peux me dire ce que tu fais ici en plein jour, en pleine rue, si jamais quelqu'un te voit? Mais toi, c'est pas la peine de s'énerver. Non, mais t'es complètement inconscient ou quoi? Allez, monte dans la voiture. Oh, ça va. Tu ne fais pas bouger de chez Elga. Ben, autant me mettre direct en prison. Qu'est-ce qu'il y a pour que tu me regardes? Ça te va bien la moustache, tu devrais la garder. C'est ça. J'espère que t'as pas pris tous ces risques pour rien. J'ai trouvé la corvette. Et mon faux Dieter Bremser s'appelle Thomas Cross. Et ce serait le patron, d'après ce que m'a dit le vendeur. Non, le garage appartient à la Vassani. Ah oui? Oui, et Cross est seulement gérant. Mais c'est lui! C'est lui le type qui est venu me voir dans mon bureau. Non, reste là. C'est pas le moment, tu vas tout gâcher. Attends encore un peu. Mais si on laisse partir, c'est fichu. Laisse-moi réfléchir. Qui c'est l'autre? Un vendeur. Tiens, voilà, il s'en va. C'est pas grave, on va le suivre. C'est la maison de la Vassani. Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien, passe-moi les jumelles. Évidemment. Regarde, je comprends mieux maintenant. Ils ont tout simplement liquidé le mari gênant. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir la police. Tu n'as plus rien à craindre. Alors, direction le bureau du commissaire. J'en connais un qui va être surpris de me revoir. Votre version ne manque pas d'originalité. Cross aurait une liaison avec la femme de son patron. Il entend dire que Baku veut faire assassiner la Vassani et se dit pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups. Et pour que la police, donc moi, y trouve aussi son compte, il va jusqu'à nous fournir le suspect.
Sous couvert d'une enquête, il engage Matula et l'envoie sur les traces de Lavassani. Pendant ce temps, il pénètre chez votre ami, lui vole son pistolet, attire Lavassani sur un chantier pour le tuer. Après, il se débarrasse du pistolet. Puis, il nous appelle anonymement. Et le tour est joué. Exactement. C'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant que c'est réglé, si vous disiez à votre ami de passer me voir. Seulement quand j'aurai la garantie que vous aurez arrêté les coupables. Ils sont juste à côté. Dans ce cas, je vais dire à mon client qu'il peut se rendre. Vous permettez ? Oui. Merci. C'est direct ou il y a un numéro pour sortir ? Faites-le 0. Pas de problème, je monte tout de suite. Alors, ça y est ? Entrez, monsieur Matula. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis là de mon plein gré. Mais c'est moi qui ai décidé de me rendre. Mais qu'est-ce qui se passe, Rainer ? Tu ne l'as pas expliqué ou quoi ? Bien sûr que je vais tout raconter. C'est totalement déloyal de votre part. Vous m'avez assuré qu'il ne serait pas inquiété. C'est pour ça que je vous dis de venir. Si je m'étais pas livré, jamais vous m'auriez retrouvé. Je suis vraiment désolé, mais il y a toujours un mandat d'arrêt qui court contre monsieur Matula. C'est lamentable comme méthode. Je pensais que vous étiez un homme de parole et je me suis trompé. Mais je ne vous ai pas menti. Henning, fais entrer Cross. Vous avez Cross ? Alors pourquoi vous vous êtes jeté comme ça sur mon client ? Dans 2 minutes, vous allez tout comprendre. C'est lui ! C'est lui qui m'a engagé pour surveiller Lavassani ! Mais ça va, oui ! Monsieur Cross, répondez. Oui, je confirme. Eh bien voilà, il a avoué. Je n'avoue rien du tout. Je confirme simplement que j'ai vu ce monsieur à propos de Lavassani et que je l'ai pris comme détective. Vous voulez bien m'expliquer encore une fois pourquoi ? Sylvia avait peur que Bruno craque et qu'il reprenne contact avec Baco. Je lui ai proposé de le surveiller moi-même, mais elle n'était pas d'accord. Alors on a opté pour le détective privé, que j'ai engagé sous un faux nom pour que personne ne puisse faire la relation si ça venait à se savoir. Vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites ? D'abord, où étiez-vous ce matin-là quand Lavassani s'est fait tuer ? Où est-ce que vous étiez ? Restez assis, monsieur. Ah, ça va ! Je ne réponds qu'aux questions de la police, pas aux meurtriers. Attention, toi ! S'il vous plaît. Il a fait passer une voiture au contrôle technique. Il y a 7 personnes pour en témoigner. Monsieur Matula, ce n'était pas très prudent de garder tout ça chez vous. En plus, d'après tous vos relevés bancaires, vous êtes dans le rouge depuis des mois. Et je tombe sur une liasse de 25 000 marques cachées dans votre matelas. J'ai jamais vu cet argent, je sais pas d'où il sort. Quand j'ai engagé Matula, j'ignorais totalement cette histoire de contrat. Je ne pouvais pas savoir que la tête de Bruno serait mise à prix. Vous pensez qu'un petit escroc de cet acabit n'allait pas rater l'occasion de se faire de l'argent facile ? Quelle drôle de coïncidence. Vous engagez justement la personne qui a l'intention de le tuer. C'est étonnant. Si j'ai bien compris, vous avez consulté Madame Lavassani avant de faire suivre son mari. Vous avez de bonnes relations avec la femme de votre patron. Vous avez l'air proche, peut-être même très proche. Il a une liaison avec elle. Ils se sont arrangés tous les deux pour éliminer le mari. Dans notre famille, nous sommes particulièrement solidaires et quand ma sœur Sylvia a des ennuis, il est tout à fait normal que je l'aide. Bah heureusement que t'es venu me tirer d'affaires. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait ? Génial ! Je te remercie ! C'est pas ma faute à moi, il n'a jamais été question. Mais qui a dit rends-toi la police, t'as rien à craindre ! Mais il n'a pas été réglo, moi aussi je me suis fait avoir, je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Oui, mais c'est moi qui vais finir en tôle ! J'aurais de la chance si je m'en fais avec moins de 20 ans. Si on essayait de réfléchir au lieu de crier, n'oublie pas que moi mais c'est toi qui as les grandes idées lumineuses. T'as qu'à trouver quelque chose pour me faire sortir. Bon, c'est pas la peine, on n'arrivera à rien. Je me suis énervé, excuse-moi. Mais ça devenait dingue, je pensais que c'était fini, je me retrouve en prison. Ça doit être moi le meurtrier, je peux pas nier l'évidence. Puisque tous les éléments concordent. Le pistolet, c'est moi. L'argent, c'est moi. C'est un coup monté à la perfection. Seulement, j'ai l'impression que le commissaire ne croit pas une seconde le petit numéro de Cross. Oui, mais il a un alibi. Et Madame Lavassani doit en avoir un. Et ils n'ont même pas de mobile. Je vois pas ce qu'on peut faire. C'est peut-être le moment de taper à l'étage du dessus. Baku ? T'y arriveras jamais. Je peux essayer.
peux passer chez moi prendre une chemise propre. D'accord. Oui, je suis au courant. D'ailleurs, pour être franc avec vous, en ce qui me concerne, ce n'est pas une grosse perte. Je ne regrette vraiment pas son décès. Il paraîtrait même que vous l'auriez commandité, Monsieur Bacco. Soyons sérieux, maître. En imaginant que j'ai fait exécuter la Vassani, vous ne croyez pas que je vous le dirai? Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Oui, j'aimerais bien savoir pour quelles raisons précises vous avez renvoyé votre ancien collaborateur, si c'est possible. En fait, il avait de nombreuses qualités, mais... il était un petit peu trop ambitieux. Et il risquait de vous faire de l'ombre. Je ne sais pas pourquoi, Monsieur Bacco, mais j'ai le sentiment que le sort des autres vous laisse dans une indifférence totale du moment que vous n'êtes pas directement concerné. On ne fonctionne pas du tout de la même façon et en ce moment je m'inquiète beaucoup pour un ami détective. Joseph Matula risque la perpétuité pour un crime qu'il n'a pas commis. Ça veut dire au minimum une peine incompressible de 25 ans à pourrir derrière les barreaux. Vous comprenez que ça ne me laisse pas dormir tranquille la nuit. Allez dire à ce monsieur Matula que je vais lui placer 100 000 marques qui l'attendront à sa sortie. La prime pour le meurtre de la Vassani? Oh, voyons quelle idée. Je n'ai pas le droit de me montrer tout simplement charitable. C'est vraiment trop gentil de votre part. Je t'ai pris aussi un pantalon de rechange. Merci. Et maintenant, ouvre tes oreilles. Le détective privé Joseph M. ne fréquentait pas la pègre que pour son travail. Il venait souvent nous voir dans le quartier, tout le monde savait qu'il avait besoin d'argent, ce n'était pas un secret, déclare Carl Z., le propriétaire d'un hôtel de passe. Joseph, je t'ai dit de ne pas fréquenter ces gens-là. C'est un journal à scandale, bon sang, il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Tu sais bien qu'ils racontent n'importe quoi quand même. Oui, moi je sais qu'ils ont tout inventé, mais c'est quand même imprimé, tu sais comment sont les gens. Si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Et alors? Après tout, ça fait partie de mon boulot. T'as oublié ce que c'est, à force de les fréquenter uniquement dans les tribunaux, quand ils sortent leur costume bien propre. Le démarrage d'une enquête, ça se fait sur le terrain, là où on peut apprendre des choses. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas non plus une raison pour te comporter comme si tu faisais partie de leur milieu. C'est facile de transformer la réalité, ils sortent une situation de son contexte, ils brodent autour et tout le monde y croit. Là, le ministère public ne va pas te louper, il n'attendait que ça. T'es trop gentil, merci, tu me remontes le moral. Je ne fais que te dire les choses comme elles sont. T'as dit que t'avais une autre piste à me donner? Oh, je sais pas ce que ça vaut. Une fois, la Vassani est entrée dans un vieil immeuble à Bornheim. Le genre, à la limite de la démolition. Il avait la clé de l'un des appartements, mais il n'y avait pas son nom sur les boîtes aux lettres. Si t'as du temps à perdre, tu peux aller voir. Bonjour. Bonjour. Vous pourriez m'aider? Je cherche un monsieur libanais qui habite dans cet immeuble. Qui ça? Monsieur Madarak? Oui, enfin, je suppose que c'est lui. Pourquoi? Il y a d'autres Libanais? Ah non, seulement monsieur Madarak. Oh, mais il n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il faut absolument que je lui parle. Je suis avocat. Avocat? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non, j'ai besoin d'un renseignement pour une affaire. Ah, parce qu'il n'a jamais eu d'ennui. C'est quelqu'un de si courtois et puis tellement gentil. Jamais un mot plus haut que l'autre. Vous pouvez me dire ce qu'il fait comme métier? Serveur. Au chômage depuis un mois environ. Je crois qu'il va changer de travail et qu'il a trouvé mieux. Beaucoup mieux. Et quoi donc? La semaine dernière, l'un de ses amis du Liban, qui possède une grande entreprise, est venu le voir parce qu'il cherche un terrain. Seulement, il est très riche et les entrepreneurs le savent. Et il s'est dit, si je vais voir des agents immobiliers et qu'ils me reconnaissent, ils vont augmenter le prix des terrains. Donc, il a envoyé M. Madarak à sa place. Il l'a habillé comme un homme d'affaires, avec un beau costume. Il l'a envoyé dans les agences immobilières pour négocier les contrats. Alors, il était en déplacement toute la semaine? Oui, il travaillait. C'est dommage, j'aurais bien aimé lui dire au revoir avant qu'il ne parte pour l'étranger. Pour l'étranger? Oui. Hier, un homme est venu chercher ses affaires et lui m'a dit qu'il était parti. Et cet homme qui est venu hier, c'était pas un brun avec les cheveux plaqués en arrière? Si, un très bel homme. On aurait dit un prince. Il avait une belle voiture américaine. Mais je crois que M. Madarak a fait fortune avec son compatriote. Je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas. Vous plaisantez? Votre mari mène une double vie pendant des années et vous n'êtes même pas un peu curieuse. Mon mari est mort.
Et c'est pas ça qui va le ramener. Pourquoi vous ne le laissez pas là où il est? À quoi ça vous avance de me persécuter comme ça? Figurez-vous que je cherche toujours le meurtrier. Le meurtrier est derrière les barreaux. Vous déménagez? Il y a trop de souvenirs qui me rattachent à cette maison. C'est insupportable. Et où est-ce que vous allez? Il me semble qu'il n'y a que moi que ça regarde. Sortez, s'il vous plaît. Bien. Alors, je vous souhaite bon voyage. Comment est-il au courant pour Madarak? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il ne trouvera jamais, il cherche dans la mauvaise direction. Ça n'est pas sûr. Il vaudrait mieux qu'on file. Passez-moi le juge d'instruction, s'il vous plaît. Tu as donné les instructions à la banque et au comptable? De toute manière, ils sont au courant. L'entreprise continue sous... Trop tôt. Vous êtes parti trop tôt. C'était une erreur. Je t'avais dit d'attendre. J'espère que tu as mon passeport. Mais oui, Thomas est allé spécialement à Londres pour le faire. J'ai essayé de te l'avoir ici, mais le plan n'a pas marché. Il y a quelqu'un qui nous suit. Mais non. Si, je crois que c'est l'avocat. J'avais raison, il faut le semer. Ensuite, à la sortie d'Engenheim, en direction du sud, mettez un barrage en place. Sommes en position à 3 km près de l'embranchement. Bonjour, monsieur Lavassani. Il y a un truc que je comprends pas. Comment t'as fait pour deviner que le vrai Lavassani était toujours en vie?
Au début, j'ai cru qu'il n'y avait qu'un Lavassani et qu'il avait mené une double vie. Lavassani était Madarak, ou inversement, suivant les cas. Seulement, je ne voyais pas pourquoi Lavassani se serait fait passer pour un serveur, d'autant plus que c'était physiquement impossible, ne serait-ce qu'à cause du facteur temps. Donc, ils étaient forcément deux. Voilà. Et forcément, il y a l'un des deux qui va refaire sa vie sous une fausse identité, puisque l'autre est à la morgue. Et ils ont fait ce détour par le cabanon pour aller le chercher. Alors, quand j'ai vu comment Madame Lavassani l'avait embrassé, je me suis dit que ça ne pouvait être que le vrai Lavassani. Ah, tu sais qu'il y a des fois où je suis fier de toi. Oui, moi aussi. ça y est. Alors, ils ont tout avoué ? Oui. C'est le mari qui a tué Madarak. Et c'est bien Cross qui vous a volé votre pistolet. C'est tout de même aberrant. Quand je pense que Madarak est mort simplement parce qu'il avait une vague ressemblance avec Lavassani. Oui, mais ils ont joué sur tous les tableaux. Baku se débarrassait enfin de Lavassani. Eux, ils avaient la paix et moi, j'avais pas besoin de me fatiguer pour trouver le meurtrier. J'ai toujours su que vous étiez innocent. Ça vous a pas empêché de me boucler en cellule ? Vous m'avez bien enfermé dans votre salle de bain. On est quitte. On est quitte. Bien. Vous m'excuserez, mais j'ai encore d'autres affaires à régler. Et elles risquent de me donner bien plus de fil à retordre que la vôtre. Alors, au revoir, maître. Et pendant que j'y pense, j'ai failli oublier. Il faut que je vous la rende. Je me suis permis d'emporter cette bande dessinée pour la terminer. Je l'ai empruntée. Ouais. Au revoir, messieurs. Quand je pense que ces commissaires...